J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette interprétation de la nouvelle lune qui aura lieu le 30 avril 2022. Date d'enregistrement de cette vidéo, le lundi 25 avril. Voilà. Fin de l'élection présidentielle. Nous avons un président qui a été reconduit dans sa fonction. Autrement dit, le changement dans la continuité. C'est fantastique. Bref, donc je vais passer à l'interprétation de cette nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du taureau, comme vous pouvez le voir. Alors, cette nouvelle lune est une éclipse solaire partielle. Partielle parce que l'alignement n'est pas tout à fait, tout à fait exact. Donc on parle d'une éclipse solaire partielle. Alors, cette nouvelle lune, donc... Le renouveau du cycle, hein, maintenant vous commencez à être habitué à la chose, se fait dans le signe du taureau à 10 degrés du signe. C'est donc une nouvelle lune qui a lieu dans un signe de terre. Le signe du taureau marque le cœur du printemps euh, et sa planète c'est Vénus. Et l'autre planète qui est exaltée en taureau c'est précisément la lune. Donc on a là une, un renouveau du cycle dans. Euh, un signe vénusien et également lunaire, ce qui est plutôt une nouvelle lune, je dirais, fort agréable, hein, puisque sous les auspices de Vénus-Lune, ce sont plutôt des planètes euh, Comment pourrais-je vous dire? J'aime pas trop parler en termes de positif et négatif, parce que ça a une connotation péjorative et ça donne une mauvaise vision des choses, mais je dirais que c'était une nouvelle lune dans un signe de, de vie dans un signe de sensualité, de convivialité. Euh, le taureau, c'est la terre, la terre nourricière, donc c'est une nouvelle lune expansive, une nouvelle lune de joie, euh, normalement de bonheur, une nouvelle lune, je dirais, très amoureuse, donc elle est plutôt belle pour les amoureux, hein euh, et puis pleine d'élan, pleine d'essor, donc autrement dit, ça fait du bien de voir cette lunaison, ça nous change des précédentes. Euh, qui avait été un petit peu sombre, hein, et on voit que le climat général l'a été. Alors, puisque cette nouvelle lune se fait dans le signe du taureau, c'est-à-dire sous la maîtrise de Vénus, on va regarder immédiatement où se trouve Vénus, voir ce qu'elle fait dans ce ciel. Alors, Vénus est dans le signe du poisson. La voici. Elle est à 27 degrés du signe. Elle est neutre par rapport à la lunaison. Elle n'entretient pas d'aspect, mais Vénus est également dans son signe d'exaltation, puisque Vénus est exaltée dans ce signe. On a donc une lune exaltée, donc ce renouveau du cycle, et une Vénus exaltée qui a maîtrise sur cette lunaison. Donc, on a là plutôt un climat qui se renforce, un climat extrêmement, je dirais, sensible, assez émotionnel, il est vrai, puisque le signe du poisson avec la, dominante de, avec la maîtrise de Neptune a plutôt une valeur liée aux émotions. Euh, donc euh, là, euh, je dirais que c'est une lunaison qui est très belle, là, euh, pour tous les euh, bah, pour les artistes, pour les créateurs, pour les rêveurs. Euh, bah, écoutez, c'est le moment euh, euh, d'exprimer nos sentiments, notre amour. C'est le moment aussi, bah, pourquoi pas, de rentrer dans une belle correspondance amoureuse avec cette Vénus poisson, cette Vénus romantique qui rêve ses amours. Alors c'est vrai que la Vénus-Poisson quelquefois a du mal à incarner ses amours, mais reste que la valeur du taureau, elle qui est très concrète, très sensuelle, permet une incarnation, autrement dit une matérialisation des choses et des sentiments. Donc nous avons là une très très belle conjugaison planétaire. Alors pour les natifs évidemment du taureau, là, bah, qui ont des planètes à ce degré-là, bah, c'est plutôt beau. Hein. Imaginez que vous ayez la Lune ou Vénus, là, bah, écoutez, ma foi. Laissez-vous porter par vos élans, par votre amour, par vos pulsions de vie. Surtout, surtout, c'est aussi une nouvelle lune épicurienne, j'ai oublié de vous le dire. Donc vraiment, c'est la vie, profitez-en. On est dans une période qui est suffisamment triste, suffisamment sombre, écrasée par les problèmes. Et eh bien écoutez, rebondissez sur cette nouvelle lune pour vous faire plaisir et communiquer du bonheur et de la joie autour de vous comme c'est Planète l'indique présentement. Alors nous allons continuer. Bon, Vénus est dans le signe des poissons. On va regarder Neptune, ce qu'il fait, puisque c'est le gouverneur tout de suite. Alors on sait que Neptune est en poisson. Voilà, il est ici. On a quand même une conjonction Vénus-Neptune, ce qui exacerbe les sentiments, la fonction amoureuse, la fonction créative. C'est aussi la planète de la vie sociale. Euh Essayez de vous rassembler, de vous rencontrer, sortez de la solitude, euh, allez les uns vers les autres également. C'est une, 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 une conjonction très très humaine de rassemblement autour d'idéaux en commun, d'idées communes. Allez-y, rassemblez-vous. Ne restez pas éparpillés chacun dans votre coin comme des, des pièces d'un puzzle. On ne fait rien quand on est éparpillé, vous savez. Euh, ce sont des forces qui sont éclatées. Et aujourd'hui, il y a plutôt une politique qui tend à éclater les relations humaines, c'est-à-dire à faire en sorte qu'on ne se rassemble pas. Hein, la période du confinement, la politique sanitaire a engendré ça, ça crée une fracture, les gens ne se rassemblent plus. Les gens communiquent de loin, mais ne se rassemblent plus et rien ne vaut la présence qui est là incarnée par cette nouvelle lune en Taureau. C'est l'incarnation, c'est la sensualité, c'est concret. On aime se toucher, se prendre dans les bras, se rencontrer. Donc il faut y aller, nom de Dieu, de nom de Dieu. Rassemblez-vous. Alors bon, Neptune là fait ce qu'on appelle un semi carré à à cette nouvelle lune. Alors comment traduire ce semi carré? Bah, débordement, débordement euh, d'amour, débordement de, débordement de euh, on a là les émotions qui viennent s'emmêler. Alors écoutez, pour moi c'est pas, pour moi pas un semi carré inquiétant. Euh, je dirais que attention bien sûr à ne pas se laisser trop trop submerger par les émotions, par euh, mais bon. Euh, pff, de temps en temps, euh, il est bon aussi de se laisser aller, de, de partir dans le rêve. C'est-à-dire qu'on a là du pragmatisme qui rencontre le contraire par Neptune. Bah, il faut trouver la... la la formule qui permet de naviguer de l'un à l'autre, parce que là c'est un petit aspect de tension, bah, trouver la bonne formule pour créer le petit point dialectique, hein, le point de résolution de ce, de ce semi-carré, euh, qui peut amener aussi, c'est vrai, de la confusion dans les sentiments. Euh, euh, ça peut amener peut-être pour certains des relations amoureuses à distance, qui ont du mal à se, à se construire, à prendre forme on bascule d'un état à un autre bref mais bon c'est pas un semi carré euh, euh, trop euh, difficile alors on va euh, regarder aussi où est jupiter parce que jupiter en fin de compte c'est le second maître des poissons on va le positionner aussi immédiatement on sait qu'il est en poisson, voilà. Alors là, on a une magnifique conjonction Vénus Jupiter. Regardez, elle est exacte 27 degrés 56, 27 degrés 57. Super. Vous voyez, on a quand même un ciel pour l'instant qui est très harmonieux et ça fait du bien. On a là, 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 c'est vraiment l'aspect. Il faut se regrouper, se rassembler vraiment. Hein. Euh, c'est un aspect de grande expansion. C'est large. Il y a là de l'expansion, c'est tout sauf la restriction, la solitude. Surtout, n'ayez pas peur de... Euh, bah pour les amoureux timides, euh, bah n'ayez pas peur d'exprimer de, vos sentiments d'une façon ou d'une autre, hein. soit euh, directement, soit par écrit, ou, vous le faites, mais laissez-vous porter par cette vague... Euh, euh, jupitérienne et vénusienne, euh, c'est l'expansion de l'amour, tout et puis en rapport avec cette nouvelle lune qui est sous la maîtrise de Vénus. C'est vraiment très beau. Euh, il faut se faire plaisir, il faut se rencontrer, il faut s'inviter les uns les autres, et puis il faut aller vers la beauté. La beauté qui n'est plus du tout, c'est un mot qui est banni dans le vocabulaire, la beauté hein. euh, voilà. Vous aurez remarqué aussi euh, l'absence de la culture dans le débat politique que nous avons eu. Il n'y a plus de culture, il n'y a plus rien. Nous ne sommes que des consommateurs. Hein? Alors là, on a une nouvelle lune qui est quand même liée à la culture, à la beauté. Alors c'est vrai que le taureau, c'est aussi l'oralité. Bah, c'est la bonne bouffe, c'est la bonne chair. Il ne faut pas avoir peur. Mais le tout dans une forme de convivialité. Voilà. Euh, de rassemblement pour la joie, la joie de se rencontrer. Et puis aussi... Euh, c'est la communion la communion de l'âme euh, se rassembler pour mettre un projet en commun construire quelque chose en commun de manière à créer une dynamique un nouvel essor une nouvelle vague alors on va positionner mercure mercure qui est très important c'est celui qui crée les échanges les liens que fait-il ce cher mercure voilà et bien mercure est à zéro degré des gémeaux autrement dit il est dans son signe dans son signe gouverneur, et on voit que ce cher Mercure est au sextile de la conjonction Vénus-Jupiter. Alors c'est un sextile dissocié, je vous l'accorde, mais il existe en tant que distance. Hein euh, nous avons quoi 3 degrés d'orbe. Donc nous avons le sextile. Magnifique, Mercure en gémeaux. La liberté, la parole libre, l'espace, la respiration, la communication. Au sextile de Vénus Jupiter, c'est magnifique. Franchement, il faut en profiter. Liberté de parole, liberté de mouvement, pas d'entrave. Euh, Alors là, c'est le moment de se libérer. Hein. C'est le moment de, de, ben, comment dirais-je Comme Mercure euh, symbolise l'intellect, la mobilité, la pensée, la parole, le mouvement, et eh bien c'est le moment de euh, d'entreprendre. De, de mettre en place des, des activités euh, reliées à Vénus-Jupiter il y a un aspect qui est très créatif très fertile, très fécond dans tout cela euh, vous voyez le, le, cette nouvelle lune jusqu'à présent est d'une excellente harmonie et il y a une très très grande cohérence dans cette lunaison hein très grande cohérence alors on va positionner maintenant le Mars puisque on va rester dans des rapides Mars, que fait-il, lui Alors, on va le surveiller du coin de l'œil, celui-là, puisque Mars, c'est la guerre. Hein. Mars est en poisson. voyez Et il est au sextile pratiquement parfait de cette nouvelle Lune. Vous voyez On a un sextile. Alors, le Mars en poisson, je vous en ai souvent parlé. Un hein. Mars en poisson, Mars est une planète de feu. Il plonge dans l'océan de Neptune, donc ça fait de la vapeur. Le feu s'éteint. N'oubliez jamais que l'eau est l'élément le plus puissant. Et l'eau a raison de tout, elle s'infiltre partout et elle prend toutes les formes. Le Mars plonge dans l'eau. C'est l'aspect du coup d'épée dans l'eau, mais si on vit ce Mars d'une façon intelligente, qu'on arrondit les angles, qu'on sort du Mars frondeur, c'est un Mars de diplomatie, un Mars de stratégie et un Mars qui doit épouser les valeurs de Neptune. Voilà. Donc c'est un Mars, une énergie, un désir, une combativité qui doit se mettre au service d'une valeur, d'un projet collectif. Et comme il est très bien relié à la nouvelle lune, il y a là encore quelque chose de très constructif. C'est-à-dire qu'on a à la fois, comment dirais-je, l'utopie d'un désir, hein, pour coller un petit peu d'une façon très très basique à cette position, qui est nourrie. Structuré et endigué par cette nouvelle lune en taureau qui lui est un signe très concret. C'est la terre nourricière, la terre-mère. Il y a là un aspect de fertilité puisque l'eau fertilise la terre. Donc là, on a encore un Mars qui est plutôt euh, positif si on le vit d'une façon intelligente. Hein. Attention, ne partez pas tête en avant parce qu'avec un Mars poisson, c'est garanti du dérapage. Action mal calculée et ça se termine par un flop, donc le fameux coup d'épée dans l'eau. Donc là, euh, surtout, surtout, euh, réfréner, réfréner la colère. Hein. Transformer Mars en énergie constructive. Nous allons maintenant positionner Saturne, qui est extrêmement important. Comme vous le savez, vous me direz, toutes les planètes sont importantes. Saturne. Saturne est en verso. Donc, il se fait un semi-sextile à... à Neptune. Oui, semi -sextile. Alors, un semi-sextile Saturne-Neptune, c'est pas mal, parce qu'il n'y a pas plus opposé que Saturne-Neptune. Hein. L'un rationnel, l'autre irrationnel, l'un plutôt solitaire, l'autre plutôt rassembleur. On a un semi-sextile, donc on a des forces là qui se conjuguent. Saturne en verso, comme vous le savez, il est dans son signe, puisqu'à l'origine. Euh, avant qu'on trouve les trans-saturniennes, Saturne avait domicile dans le signe des Verseaux, Donc il y, y a un rapport, une, un soutien entre, euh, ma foi, ben, on va dire, entre l'utopie et la réalité. Saturne la réalité, Neptune l'utopie. Hein donc là, on a ce rapport. Bon, L'eau et l'air sont des éléments neutres, donc il n'y a pas de contrariété, il n'y a rien. Donc on a là plutôt une conjugaison positive entre Saturne et Neptune. Donc on est toujours dans un rapport très harmonieux. Maintenant, nous allons positionner le grand agitateur Uranus. Qu'est-ce qu'il fait, lui Alors, Uranus est ici. Il est à 14 degrés du taureau. Il est dans la conjonction. Alors là, c'est intéressant. Uranus est dans la conjonction de cette nouvelle lune. Parce que la lune, comme vous le savez, va avancer petit à petit et elle va les rejoindre Uranus très rapidement. Il y a 4 degrés d'orbe, 1 degré euh, toutes les 2 heures, vous voyez, donc ça veut dire que 8 heures après, on a une conjonction lune-Uranus. Alors, là, ça vient, je dirais, stimuler cette lunaison. Ça vient lui donner un élan, ça vient lui donner une pulsion. Et puis cet Uranus, euh, il est au sextile de Mars. Alors là, on a un rapport de deux planètes de feu qui sont en relation. Donc, c'est un cocktail énergique soutenu par le fait que les deux signes concernés s'alimentent entre eux, entre l'eau et la Terre. Donc, il y a là une conjugaison, il y a un apport de complémentarité. Donc, on a là une configuration par cette uranus de, de comment dirais-je, valeur de changement de vouloir aller de l'avant et en même temps changer les choses, mais d'une façon très concrète, ça passe par le taureau, avec une énergie collective qui vient se conjuguer à cet élan novateur et pour ne pas dire révolutionnaire. Mais enfin, le mot révolutionnaire aujourd'hui est tellement galvaudé euh, qu'il en perd tout son sens. Hein. Mais on a là une, un élan, une nouvelle lune novatrice. Donc, il y va y avoir, là dans l'air, euh, je dirais quelque chose qui va s'amorcer, une graine qui va être semée, et il va falloir suivre attentivement euh, toute l'évolution de, de cette euh, nouvelle lune, puisque après, comme vous le savez, il va y avoir la pleine lune, et la pleine lune se fera euh, vraisemblablement euh, dans le signe du Scorpion, tout à la fin. Je crois qu'elle va se faire dans le 26e degré du Scorpion, la pleine lune. Mais pour l'instant, nous sommes dans cette nouvelle lune. Et là, on voit cet Uranus qui est très bon. Hein. Il est au service de Mars. Voyez. Donc là, on a une, une énergie, mais qui est en même temps bien, bien orientée, bien pétrie. Voyez, bien. Ça, c'est à dire que d'une tendance à ce que l'énergie de Mars s'éparpille en poisson par la maîtrise de Neptune. Vous voyez l'énergie qui s'éparpille, qui ne trouve pas son axe, donc c'est de l'agitation mais qui ne construit rien, qui n'arrive à rien. Donc le coup d'épée dans l'eau. Mais là, le sextile d'Uranus qui part du taureau vient endiguer, vient la construire, lui donner quelque chose de concret, un socle. Donc là aussi, très très bon. Alors, nous allons positionner le dernier, Pluton. Alors, Pluton, lui, est en Capricorne. Et là, Pluton, pour le coup, trigo de Mercure, et sextile Vénus-Jupiter. Enfin, même on peut englober euh, Neptune, 4 degrés d'orbe, si, si. Donc, Pluton est au sextile de Neptune, Vénus-Jupiter. Pluton, qui symbolise la guerre, qui symbolise euh, la terreur, qui symbolise euh, la peur, il est là pour le coup euh, en rapport avec Jupiter, Vénus, Neptune et au trigone d'un Mercure gémeaux. Donc là, il y a plutôt un aspect, euh, je dirais, tout ce qui est du, du levier de Pluton, vous voyez, là se trouve, surtout Pluton rétrograde, vous hein, voyez, bon, se trouve quand même. Encerclé par des valeurs jupitériennes, vénusiennes, neptuniennes, et Mars qui marque le dialogue, le lien, l'échange. Alors, est-ce que, euh, je dirais, euh, cette voyez, euh, conjugaison au niveau du climat général, de, de la guerre qu'il y a là-bas en Ukraine, il va falloir suivre tout ça Est-ce que ça va amorcer, donc je veux dire par là, est-ce que ce cycle-là, quelque part, va aussi générer un changement, va apporter, va commencer peut-être à rendir les angles, il va y avoir peut-être du recul qui va être pris, je ne sais pas. Mais tout au moins, on a un climat d'apaisement, c'est-à-dire que là au règne de l'hostilité, de la terreur, quelque chose de noir, on peut arriver à apporter une accalmie, apporter un langage un petit peu humain, c'est-à-dire sortir de cette noirceur et de cette terreur Propre à Pluton, dans le sens où Pluton est mal vécu, parce qu'évidemment, Pluton, ce n'est pas que cela, bien, bien entendu. Ce n'est pas que ça, Pluton. Donc, on voit que là aussi, Pluton est bien, bien, je dirais, maintenu. Voilà. Il est encadré favorablement. Voilà. Alors, on va regarder maintenant l'aspect la, général de cette nouvelle Lune. Voilà. Alors, vous voyez, euh, en dehors du semi-carré, qui est là, et hein? eh bien on a globalement envoyé à Neptune. On a globalement là un ciel qui n'a que des harmoniques, hein? donc on a là un ciel magnifique. Hein? Euh, elle, la, la, la nouvelle lune, voyez là, l'axe des nœuds est neutre. Hein? Tout au moins, on va le poser. Voilà, Vous voyez le nœud nord est au trigone, justement, de Neptune, Vénus, Jupiter. Il est au carré de Saturne, bon, l'opposition est tout à fait normale. Hein. Bref, et, et le nœud sud, il est à l'inverse, bien entendu. Mais je dirais que euh, globalement, là, nous avons quand même un ciel qui est très harmonieux. Donc, euh, comme je le dis souvent, euh, les configurations, si elles ont une valeur intrinsèque indéniablement, elles sont aussi ce que nous en faisons. Alors, pour chacun d'entre nous, maintenant, il suffit de positionner cette lunaison dans la maison de votre thème, de plaquer en fin de compte la totalité de ce ciel sur votre thème pour voir comment tout ceci s'infiltre et opère dans votre propre thème. Mais globalement, nous avons une très très belle lunaison, une lunaison de changement, parce que Uranus est conjoint à cette lunaison, une lunaison de rassemblement, de communion. Euh, il y a un élan, il y a une vague là qui se met en place, hein, puisque Mars va continuer à avancer progressivement hein, vers, euh, vers Neptune. Et euh, nous avons un Pluton qui est plutôt bien soutenu. Hein, vous voyez, on a quand même un Mercure qui marque les échanges, les contacts qui est au sextile également de Vénus-Jupiter et au trigone de Pluton. On a là un magnifique aspect de trigone relayé par. Des, des sextiles. Donc c'est un ciel qui est très créatif, très harmonieux. Euh, ça va être à nous de le, de le jouer intelligemment, à la fois d'une façon collective, mais également chacun dans nos vies. Euh, voilà. Si certains d'entre vous ont envie d'écrire, de commencer un roman, et bien écoutez, profitez-en avec un tel ciel. Hein. Il y a énormément d'eau, d'inspiration, et puis cette nouvelle lune qui est vénusienne et Vénus qui est exaltée, qui est ampli, qui est soutenue par Jupiter, eh bien écoutez, pour les romanciers, les musiciens. Bref, euh, les, les artistes, les créateurs, hein, il faut bien en parler. Hein, de, on est dans un monde de plus en plus étroit aujourd'hui. Hein, C'est-à-dire que la culture, l'art n'existe pas. Euh, on, on mélange tout, voilà. Euh, Comment dirais-je J'aimerais que les artistes se politisent. Moi, un artiste, ce que je lui demande, c'est d'être talentueux dans son domaine et, et d'être très bon dans ce qu'il fait. Ensuite, ses opinions politiques, je vous dirais que je m'en fous totalement. Quand je regarde un tableau, moi, j'apprécie l'acte créateur, mais les idées politiques de, de l'artiste, je les mets entre parenthèses. Hein. Euh, et aujourd'hui, on mélange tout. Euh, et la confusion, évidemment, d'un Neptune-poisson, également, hein, c'est l'envers, amène que tous les, 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 les contours sont brouillés et, et on n'y comprend plus rien. Et il y a cette part d'irrationnel qui vient tout recouvrir et qui nous, nous mène quelquefois vers des dérives et à faire des mauvais choix. Hein. Mais voilà, revenons à ce très beau ciel, gardons-le en mémoire, il est magnifique à nous de savoir bien le jouer, bien l'interpréter. On a une partition musicale céleste qui est très très mélodieuse. Alors faisons en sorte de ne pas faire de fausses notes. Voilà, et eh bien écoutez, ici s'achève cette interprétation de cette nouvelle lune du 30 avril 2022. Interprétation que j'ai faite en date du 25 avril. Je vous remercie de votre attention. Euh, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous estimez qu'elle en vaut la peine. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon site internet dont l'adresse apparaîtra dans le générique final de cette vidéo. Et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.